Adalwa, c'est l'EPP Bégafla dans le canton Yamano qui a été choisi pour le lancement national des cantines scolaires et la réception des dons aux vivres des communautés aux cantines. Cette activité, elle se situe dans le cadre de la 8e journée africaine de l'alimentation scolaire qui a été célébrée le 1er mars à Abidjan. Et à l'occasion, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction des cantines scolaires, a lancé une opération de mobilisation communautaire autour des cantines scolaires par la collecte de vivres et de non-vivres au profit de nos enfants dans les cantines scolaires. Les autorités scolaires et administratives saluent l'action des parents et communautés de Nyamanou qui ont compris le sens des cantines scolaires en contribuant avec près de 8 tonnes de vivres pour le grand bonheur des élèves. En faisant une collecte de vivres, nous avons un filigrane de nourrir tous les écoliers et leur permettre d'être assidus à l'école, leur permettre de venir constamment à l'école et de poursuivre leurs études jusqu'à au moins au premier cycle, fin du premier cycle. Parce qu'un élève qui ne mange pas n'est pas en bonne santé. Un élève qui ne mange pas n'est pas assez intelligent. Un élève qui ne mange pas suit ses parents au champ pour manger. Mais dès qu'on dit à manger à l'école, il préfère aller à l'école. Donc notre objectif, c'est d'attirer, d'amener tous les élèves à aller à l'école. Il y a eu quelques années ici, ce même lancement, on avait eu 2 tonnes. Aujourd'hui, on a eu 7 tonnes de nourriture. 7 tonnes 800 exactement de nourriture. Nous souhaiterions avoir pour le prochain lancement, pourquoi pas le double. Elles ont bien compris le message. C'est pourquoi de 2 tonnes, il y a 5 ans, nous sommes aujourd'hui à 7 tonnes 800 aujourd'hui. Nous les félicitons, nous les remercions et nous leur demandons de toujours continuer à remplir les greniers des cantines scolaires. La cantine scolaire, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernants, c'est aussi l'affaire de tout le monde. La direction des cantines scolaires appelle toute la communauté nationale à s'impliquer et soutenir l'État dans la gestion des cantines afin de donner toutes les chances de réussite scolaire aux enfants.